Ouvrez l'œil, Watson, et ne faites pas de bruit. Bonjour tout le monde, bonjour les gens, c'est Chuck Morris sur Papy Gaming. Alors aujourd'hui, on est sur Sherlock Holmes, The Devil Daughter, pour la suite de notre aventure. Mais on doit aller rechercher des indices dans le bureau de Bernard Marley en pleine nuit, sans se faire repérer. Donc surtout, ne faisons pas de bruit. C'est parti, discrètement. Faisons-nous maintenant, Holmes ? Bah tu viens ? Oh, tu restes dehors, le mec super discret. D'accord, super. En gros, tu me laisses y aller tout seul, quoi. Donc, ce que je voudrais, c'est aller dans le bureau. Cette porte est verrouillée. Je dois trouver une autre entrée. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut ? Oula, dis donc. Ça a pas l'air simple, leur histoire. La porte du balcon est ouverte. Super discret. Un peu trop, je pense. Que faisons-nous, monsieur Holmes ? Soyez prudent, Holmes. Eh bien, tu pourrais m'aider. Super, ok. Donc là, j'ai des aiguillages. D'accord. Alors, quelle est l'idée, déjà, que j'essaie de comprendre ? Pour monter là-haut. Je ne peux pas le déplacer dans cette direction. Ah non, je vois bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Il y a des grilles. Je peux faire des choses avec ça ? Une poutre, des grilles. D'autres ne verraient ici qu'une clôture. Mais il y a autre chose. D'autres ne verraient ici qu'une clôture. Mais il y a autre chose. Une échelle là-haut. On peut la faire bouger peut-être. Ça déplace quoi ? La cage. Qu'est-ce que c'est que cette cage ? La cage peut se mettre à droite, à gauche. Et j'ai cette cloche que je peux mettre à droite, à gauche aussi. Mais qu'est-ce que ça me donne ? Je vois pas l'intérêt. Je comprends pas le principe.
Donc là, si je fais tourner ça, mais c'est quoi ça? Ah, j'ai aussi un mécanisme ici. Ah, j'avais pas vu ce mécanisme-là. Donc je peux bouger les choses là-haut. Ok. À quoi ça me sert? Aucune idée. Je peux bouger ce chariot. Je peux peut-être monter sur le cheval avec le chariot, réussir à monter là-haut. Ah, il y a peut-être une idée comme ça. J'ai peut-être compris quelque chose. Alors, on va essayer. Merci du coup de main, Watson. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Voilà, donc est-ce que je peux monter dessus? Je ne peux pas le déplacer dans cette direction. Je ne peux pas monter dessus pour monter sur le cheval et monter là-haut et après jouer à l'équilibriste. Donc là, je peux passer vers le milieu. Éventuellement sauter et m'accrocher à la tête de je sais pas quoi là, faire balancier et aller sauter. Ouais, on va dire que c'est ça. Par contre, réussir à monter, ça veut dire qu'il faut aller faire le con sur la poutre. Qui est là. Alors cette poutre là, elle se met en jaune quand même. Pourquoi elle se met en jaune plus que les autres? Je pense que celle-là, en fait, la grille en l'air, on va la décaler. Voilà. Pouvoir déplacer la grille qui est en bas vers la droite. Là, c'est pas mal, ça pourrait permettre de monter. Ça fait une échelle. Ah, voilà. Je vois pas comment passer sur le truc du milieu là. Histoire de la cage. Ah ouais. J'ai placé vers la gauche, j'ai placé vers... Ah, vers le bas, j'avais pas vu, je sens. Ah dis donc, il faut être observateur, c'est vrai que c'est quand même important dans une enquête policière. Voilà, impeccable. Et on va refaire la même pour qu'il passe ici. Ah,
En fait, mon idée de départ de se servir du chariot pour passer et monter était pas complètement bête. Juste que c'était pas assez petit, pas assez haut. Ok, donc ça c'est bon, on peut passer. Après, je pense qu'il faut qu'on aille là. Oula. Oula. C'est quoi ce délire? D'accord. Ah putain, d'accord, je viens de comprendre. Je vais tomber, c'est sûr, je vais tomber. Ah oui. Oh là là. Allez, on va essayer de se concentrer. En plus, le chemin est long là. Allez, allez, allez. Oh putain. C'est vraiment difficile ce truc là. Allez, allez. Oh là là, mais j'en suis qu'à la moitié, c'est horrible. Secours. Oh non. Oh. Vas-y, c'est pas le moment de flancher. Non, c'est pas le moment de flancher. Vas-y. On y est presque. On y est presque. Oh là là. Carrément, 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 carrément. On y est presque. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Vas-y. Oula, 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 oula. Ah, non. Ah. Waouh. Truc horrible. Ah. Bon allez. Il me faudrait une chaîne libre. Il me faudrait une chaîne libre, d'accord. Donc on va prendre la chaîne qui est à côté de la cloche. Donc on va demander à Watson de nous faire ça. Pas mal là. Allons voir ce qu'il en est. Alors c'est vous pour gagner de la emporter et atteindre la destination. Quand t'étais petit, tu faisais la balançoire. À chaque fois, il me fait rater ma touche. Je réussis pas à appuyer sur la touche au bon moment. Eh ben dis donc, ça a été compliqué, hein. Holmes, je suis devant la porte. Pouvez-vous m'ouvrir? Waouh. Bon, on va aller ouvrir à Holmes. À Watson, du moins. Bien, on a enfin réussi à atteindre le bureau, ça n'a pas été simple, on pourrait même dire que ça a été compliqué. Enfin, nous y voilà, c'est le principal. Mais moi, ce que je vous propose maintenant, c'est que on se mette à fouiller le bureau, mais qu'on le fasse seulement dans la prochaine vidéo, bien sûr. Et le roi du suspense est en action, encore une fois. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous me le dites et vous me soutenez en mettant un pouce bleu, ça sera grandement apprécié. Et puis, vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, moi je vous engage à le faire, parce que comme ça au moins, vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous, et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus, tchuss, bye.